I think they're both two teams defensively that you saw they got there because of the team effort defensively. They're very organized. They give nothing away. I think both teams have special players, and it's going to be a great final. I think the mentality of the German team, I mean, it's not only they play great, but they're just they're mentally so strong as a team, you know, and also with some, you know, quality players. And with Argentina, I think they showed a great defensive effort. And then they have Messi, who a guy in one play can change the whole game around. So it's going to be a great final. It has been a great World Cup, for sure. So, I mean, I'm looking forward to the final. It's going to be a great match. C'était un match unique dans l'histoire. Pour moi, elle a joué beaucoup la pression de Brésil, qui, quand ils se sont trouvés 2-0, elle a perdu complètement la tête. Ils sont passés 10 minutes vraiment incroyables, qui sont difficiles d'expliquer à tout le monde, mais juste seulement qui joue. Et qui sait que quand tu prépares un match avec beaucoup de pression, qu'elle arrive de tous les parts, et tu arrives, tu penses que tu es chargé pour jouer. Après, quand tu rencontres des difficultés dans le terrain, tu n'as pas la capacité de réagir. Donc, c'est difficile de comprendre ce qui est passé, mais qui a joué peut comprendre que des fois, quand tu penses, tu mets beaucoup de pression dans le match, des fois pour réagir, c'est vraiment difficile. Et j'ai vu des joueurs qui n'ont pas la force de réagir de ce moment-là. Aussi de casser quelqu'un, aussi de prendre des cartons jaunes. Il n'a pas la force de réagir parce que c'était vraiment un moment incroyable pour tout le monde aussi, pour nous aussi qui a regardé le match. Donc, mais pour moi, l'Allemagne, il a plus de chance de gagner parce qu'elle a fait vraiment un grand World Cup. Pour moi, la meilleure équipe mérite de gagner, mais ça sera vraiment difficile contre l'Argentine. Premièrement, je vais commencer avec le Brésil contre l'Allemagne. C'était, je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu prédire un match comme ça. Crédit, faut donner le crédit à l'Allemagne qui a joué un très bon match, très solide défensivement et offensivement. C'est sûr, pour marquer 7 buts, il faut être opportuniste, mais aussi se créer pas mal de chances. Je pense que le match aurait pu tourner d'un côté ou de l'autre. Dans les premières minutes, le Brésil tenait bien le match. Mais après le deuxième but, t'as senti le Brésil vraiment... c'était plus la crise là, sur le terrain. Il y avait plus de difficultés à juste continuer à jouer. C'est comme s'il avait complètement lâché. Sinon, de l'autre côté, complètement différent. Un match qui a été chaudement disputé jusqu'à la fin. Pas grand-chose à dire sur ce match-là, à part que les deux équipes ont travaillé fort tout le long, surtout défensivement. Les deux équipes étaient très bien organisées. Puis, bon, il n'y avait pas trop de risques qui étaient pris de chaque côté. Personne ne voulait ouvrir son jeu. Je pense que les deux équipes ont vu l'autre demi-finale puis se sont dit « Wow, on ne veut pas que ça nous arrive à nous ». Mais encore là, moi, de mon côté, je suis content que l'Argentine passe. J'aimerais bien que l'équipe, surtout Messi, jusqu'au bout, là, je pense que c'est la dernière chose qui lui manque à son palmarès. Donc pour la finale, je pense que ça va être difficile, mais je pense que l'Argentine peut aller chercher ça. Peut-être prolongation, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais les Allemands, ils sont tellement solides. D'après moi, ça va être très chaud, là, mais j'irai avec l'Argentine au pénalty. J'étais surpris la demi-finale de l'Allemagne contre le Brésil. Je pensais que l'Allemagne allait gagner, ils m'ont quand même impressionné pendant le tournoi. Le Brésil, je trouvais qu'il manquait des joueurs, puis au niveau tactique, je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement les mêmes ressources que les Allemands. Mais je pensais pas... moi, j'étais avec mes amis, là, puis on était tous... oh mon Dieu! À 3-0, on était comme « ça se peut pas, ça se peut pas ». Puis là, bam, bam, ils mettent deux autres buts. C'est sûr, ça m'a surpris. C'était une grosse surprise historique comme événement. Je pense que c'est une des demi-finales avec le plus gros score, sinon le plus gros score. Alors, ça m'a vraiment surpris. L'autre game, j'ai trouvé un peu... pas plate, si on veut dire. Un peu moins intéressante. Je trouvais que les deux équipes étaient beaucoup défensifs. Puis, il n'y avait pas beaucoup de chances de marquer. C'est sûr que c'est ce qu'il faut faire aussi pour avancer. Au niveau tactique, ils ont bien fait. Les Pays-Bas, ils ont mis quelqu'un sur Messi pour l'empêcher de faire. On ne l'a quasiment pas vu pendant le match. Puis... à la fin, c'est tir au but, tout peut arriver.
Puis au niveau de la finale, l'Argentine m'a pas impressionné pendant le tournoi. Moi, mon équipe, c'était la Belgique, je voulais qu'ils gagnent. Justement, l'Argentine m'a pas impressionné. Puis je pense que l'Allemagne va gagner. Si je peux me prononcer, je pense que je vais mettre un 2-0 à l'Allemagne.